l'armée d'Haïti, la police nationale d'Haïti, n'est pas parlé de BESAP. Docteur Gary Koni, peuple haïtien, annonçait que c'est force de l'ordre paysan qui a une responsabilité pour mettre l'ordre en dedans pays. Il n'y a pas de problème pour que force la vini. Parce que naturellement, nous connaissons que c'est avec force que aussi un qui a là. Nous te dit nous en matière. Mais cependant, il y a un bagage pour que nous connaissions dans le pays. Iso pas qu'on déplacé. Idem ti l'appli, pas qu'on déplacé. Bougoy Kilik pas qu'on déplacé. Christla pas qu'on déplacé. Barbecue, pas j'aime arriver Pétionville. Après que Pierre Espérance mette l'en gang, mette l'état ça. Vite l'homme innocent, t'es qu'on marche longtemps. Le SDP, t'es en bataille pour déchouquer président Jovenel Moïse jusqu'à ce que pour planifier assassinat Jovenel Moïse. Vite l'homme t'es qu'on marche, al nan hôtel Boulos dans Pétionville, alors participer dans réunion pour te monter complot pour assassiner le président Jovenel Moïse avec Ariel Henry, André Michel, Nenel Kassi, tout comme Daryl Balthazar, tout nèg SDP en général. Majori Michel, vous comprenez, toute équipe SDP ya. Il te tout dans hôtel en Pétionville, il te tout dans 75 ans pour te planifier complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Le ça, vite l'homme innocent, te kon marché. Mais depuis après que nèg fin assassiner le président. OK? Nagyo prend pouvoir à partir du mois de septembre 2021. Yo commencé à blier vite l'homme. Il a monté vite sous vite l'homme. Quelques mois après, vite l'homme pas capable prendre parole encore, négociation sur négociation, relé le parler avec le parlement national, relé voyer représentant le parlement. Ça a été ouvert vite l'homme non? Nagyo pas décidé de vite l'homme ni. Le vite l'homme dit nagyo la pété coquin, nagyo décidé la guerre. On équipe policier a fait essayer mon ton complot pour assassiner vite l'homme. Vite l'homme parle, mrele vite l'homme, sous plateforme YouTube et Foubeto, vite l'homme baye information. Sous qui sa relateye, qui sa nèg tantan yo, qui sa te fait, Jovenel Moïse assassiné. Et comment te fait assassiner, qui est-ce qui implique un assassinat? Vite l'homme te dit nous tout ça sous plateforme nan. Tade bien yon pays ya. Eh bien, peuple haïtien, pour pays ya gangsterisé, pour pays à gangsteriser, gon côté, gon groupe moun qui te planifie ça. Soit gade à terre là, c'est pas con, pas comme ça, comme ça là. C'est un mouvement politique. Des hommes et des femmes qui font politique, qui besoin pour pouvoir par tous les moyens, qui te fait appel avec tout jeune garçon qui est dans le quartier populaire, pour prendre les armes pour aider au combat au président de la République qui est en fonction, qui est le Jovenel Moïse. Nèg yo estime que yo gen moyen politique, yo gen légitimité populaire, yo ka invite tout jeune garçon prendre les armes pour combattre le président. OK? Il est important pour que nous fassions rappel ça. Et bien dans ce sens ça, m'a dit que docteur Gary Koni ou annoncé naturellement ou pour la bataille contre insécurité, bataille contre gang. Pour battre contre gang, gon côté pour commencer. Pour battre contre gang, il faut qu'on connaisse qui sac mette gang là. Pour battre contre gang, il faut qu'on connaisse qui est-ce qui a mes gang là. Pour battre contre gang, il faut qu'on connaisse capacité à mes gang là. Pour battre contre gang, il faut qu'on connaisse qui est-ce qui a fourni les cartouches. Ça nous est les balles là, qui a trouillé mon nom. Sinon, on a voué tout policier à la boucherie. Et pour battre contre gang, si on a fait battre réel, à fond contre bandits armés qui ont kidnappé, qui ont violé, qui ont tué les gens dans le quartier populaire, qui ont kidnappé les gens dans le pays, ou pas qu'à faire sans un hélicoptère. Ou pas le dire que bandit pas hélicoptère, même moi, quelque part, je me dis est-ce que bandit pas hélicoptère? Est-ce que bandit pas hélicoptère? Mais par conséquent, la vie bandit pas mis dans rien pour lui. La police a une famille qui remet, les amis qui remet, la ville qui est importante pour lui. Il faut protéger la vie policière. Gang n'est pas gang déjà. Les déjà dans sang, pas gagné que le capable peur encore. Mais dans ce sens, on doit protéger la vie policière. La police a besoin d'un hélicoptère de combat. La médaille a besoin d'un hélicoptère de combat, plusieurs chars d'assaut. Et c'est le seul moyen pour mener une bataille solide contre gang armé dans le quartier populaire. Yo. Et la police a besoin, la police et la médaille, naturellement, ils ont besoin d'un gelou, bakolo de sérieux, qui blende, on ne peut plus.
qui capable de caser depuis ces cailles qui sont dans le quartier populaire. Parce que je dis ça très bien. Pour mener une opération, pour le réussir, en dans le village de Dieu, premier objectif là, c'est éliminer toute caille qui est dans le village de Dieu. C'est là pour 3 mois, opération pendant 3 mois, village de Dieu. Craser toute caille net juste pour arriver à la mer. Et puis, barrer tout côté net, bandit ou après côté, il y a caché. Il y a Tito, la police pas pété un bal. Pète, craser caille. Il y a pété Tito, la police pas occupé yo. Gardez nous, craser caille. Craser caille, jusqu'à ce que, ou après, yo mette bal les âmes. Yo mette bal les âmes après ça, nous prenons loi, nous allons faire une force commune nous lague yo. Parce que nèg sa yo avec zam nan, pas quitter yon vive dans le pays. Quel que soit prison qui t'a gagné avec zam, faut que peuple a train de prison prend tout boule tout vivant. Nèg yo fait payer trop mal. Mais par conséquent, pour nous jeune la paix stabilité dans le pays, il y a des sacrifices au maximum qui doit faire. Parce que pour Haïti arriver là, nous connaissons qui est-ce qui mettait là. Tout le monde concerné. Nous tous nous concernés. Faut que nous tous nous mettons pour nous retirer pays dans ça. Mais faut que nèg yo gagne volonté réelle. Gary Conde montrer que les gars d'action concrète qu'il a envie poser. Comparativement avec le pouvoir qui était là avant, pouvoir assassin président Jovenel Moïse là. Mais c'est l'op gade. Entourage Dr. Gary Conde, n'est qui dans soi-disant conseil présidentiel, n'est qui dans oligarchie pour ressentir qui était financé assassinat président Jovenel Moïse là, c'est eux toujours là, c'est eux toujours gain port aéroport, c'est eux toujours gain douane. Dr. Gary Conde pas jamais mentionné comment ça fait douane pays pour fonctionner. Port yo, est-ce qu'on a toujours quitté dans mes doigts Bossan, Gilbert Bidjo, oligarque corrompu yo? Parce que c'est pour ça qu'on a retourné le président Jovenel Moïse. Et en plus de ça, ça que je voulais nous remarquer, Dr. Gary Conde n'a jamais cité, même pour une seconde, non président Jovenel Moïse, ou du moins dossier assassinat Jovenel Moïse, là, pour me faire un petit parler de lui. Ça m'a mis pile possibilité pour me mettre en pile interrogation sous tête Dr. Gary Conde, qui est venu régler dans le pays. Même dis-nous, nous avons une fixation. Ouais, pour nous capables de juger monsieur et condamner monsieur. Pas faire manifestation contre lui, bal champ libre pour fonctionner. Mon papa, la carte blanche, non? Notez pour lui. Notez pour lui, parce que pas oublier. L'on ne parle de feuille de route pour gouvernement ça. Qui fait de route qui la pied? Diplomatie haïtienne écrasée, nous besoin, madame et Dominique, réparer diplomatie pour nous. Laver image PIA. Ça a bien été fait dans l'international avec, et comme Simnadjou, sur le plan diplomatique contre Haïti, en politique diplomatique comme Simnadjou, hypocrite. Madame Dominique capable de nous gérer ça. Mais sauf que, mettez des gens qui sont compétents. Tout le monde qui est l'intérêt évoqué, remplacez les gens ça. Mettez des gens compétents. Si Ariel te mette quelques gens avec l'équipe qui est compétent, pas retirer sur base politique. Quittez là. Mais depuis si ça n'est pas compétent, c'est petit femme, c'est petit boubou, c'est petit ménage garçon qui vient rentrer, quand vous foutez tout dans la diplomatie, mettez des gens bien. Pas que ce soit un contact politique, influence politique, mettez des gens de bien. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est extrêmement important pour qu'on fasse. Parce qu'Haïti a besoin des hommes et des femmes qui sont compétents, des gens qui ont caractère, des gens qui ont dimension d'homme d'État et femme d'État. Des gens qui ne sont pas grands dans nos cas au feu, c'est clair. Nous n'avons pas besoin de vicieux, nous n'avons pas besoin de gens sans caractère. Nous avons besoin de vrais petits pays. Nous avons besoin d'Haïtiens conséquents. Mais aujourd'hui, qui c'est 19 juin 2024, là, nous avons plusieurs sons sur cloche et vidéo que nous allons passer et dans l'émission ensemble avec vous. Tout d'abord, il y a Rosemont Jean qui fait en sortie. Nous avons pour parler ensemble avec Rosemont Jean et. Peut-être dans l'émission, dans la fin émission du mois, et demain si Dieu veut, nous sommes capables peut-être parler avec Rosemont Jean. Entre temps, je dis nous que Rosemont Jean fait une sortie qui est extrêmement importante. Il y a une conférence de presse dans nos fonds d'Haïti, organisation politique qu'elle a dirigée, et il y a une conférence de presse qu'elle dit en pile bagaille, selon lui-même, Jean-Claude Dr. Gary Conde, qui est même a intérêt, tendez l'ensemble avec nous, nous allons passer pour vous. Nous gagnons et Pasteur Moïse, depuis Wanamet, dans le département et nord-est pays, plus précisément dans le département de Maribaou, canal là, et coordonnateur général et KPK, ok? Comité qui a géré dossier canal là dans Wanamet. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, ou même qui t'a contribué dans la diaspora pour dévoyer l'argent pour que le canal là soit capable de construire, je dis nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Si je dis là, ou c'est monocap, ou avec une diaspora, ou te voyez 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, jusqu'à 1000 dollars, quel que soit te voyez, si vous voulez manger un jury pays, un jury qui fait dans bas plein Maribao avec glo, rivière massacre, m'a dit ou comme ça que ou capable jeune ni pour manger. Et si vous gagnez un monde, pardon, si vous gagnez une famille qui au cap haïtien,
ou du moins qui dans nord-est qui capable rentrer aux États-Unis d'Amérique pendant qu'on va vivre aux États-Unis ou bien la France Canada ou bien quel que soit pays hein depuis que le cas voyage à Cotolan dis-le comme ça à Louanamet ou avec pasteur Moïse dis-le pour dire battre pasteur Moïse ou besoin on deux timami du riz parce que son ou haïtien son haïtien qui t'a contribué dans aider travail à réaliser rêvez-vous c'est ouais que on mange deux qui a du riz qui sorti dans bas pleine Maribaou et puis pasteur Moïse a voyé du riz pour moi même tout m'gay pour me venir là avec petit plat du riz qui sorti dans bas pleine Maribaou que m'a mangé là ensemble avec nous voilà font idée non papa ou saisi bon petit du riz jaune moi nous gay pour me venir là avec petit plat du riz avec moi. Vous ne pouvez dire, c'est le cas où on tient des bagages. Franchement, on tient des pisquettes, on tient des sauces pisquettes accompagnées, on tient du jus cocoyé, on tient des sardines, on tient des sardines. Ça veut dire que je viens là avec moi, et puis je viens là. Mettez là, soubillez là, et puis mangez-le ensemble avec nous. Ça veut dire que je prends la bouche, nous-mêmes, nous avons dégagé. Vous comprenez? Ça veut dire que nous faisons un gros exploit. Nous faisons un gros. Alors, coquin chaîne. Réalisation. Mais m'a dit nous l'idée, c'était tête ensemble. Et m'a dit nous pas jamais oublier ça. Nous faisons bagay historique. Parce que nous gagnons un pays qui collé ensemble avec nous, qui pas voulait pour que nous construisions canal sur rivière Massacre. Que le président Jovenel Moïse était commencé déjà. Et c'est où dans le dossier? Si que la vérité a établi dans affaire assassinat président Jovenel Moïse là. Gène gros palto qui se voisin nous quelque part y a jeune nous mais au trempé et nous y a cité très fort. Et la preuve, gène là dedans qui te mettait avion disponible pour te transporter des mercenaires colombiens pour te rentrer dans le pays d'Haïti pour t'aller exécuter président Jovenel Moïse dans pays en cinq ans en dedans Chamni sous cabane la Kaili dans pays d'Haïti. Et ben peuple haïtien, parce que si tôt ou tard, véritable établi, je crois que il y a un pile causé. Il y a un pile causé qui va prendre la rue. OK. L'extrêmement important. Entre temps, je vais tout annoncer nous ça comme nouvelle. Et dans le moment où on a parlé là, OK. Et définitivement, et c'est nouvelle tout chaud. Dans le moment où on a parlé là, nouvelle confirmée. Normil Rameau, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. Actuellement là, li confirmé après yon dernière rencontre que premier ministre là, premier ministre actuel là qui c'est docteur Gary Conille, sont fait avec Koulev 7 traite plus 2 traite fait 9 traite là et yon jeune yon entente justement parce que te gen pile bouche parler, les oligarques corrompus qui gen pion yon placé en dedans Koulev 7 traite là, yon peur quelque part Normil Rameau, des hommes et des femmes qui dans politique. Et qui peut, Normil Rameau, qui a un dossier au niveau de la DCPJ, qui Nenel Kassi, qui Jocelyn Brivère, les assassins de Jovenel Moïse, vous avez peur, en pile. Eh bien, ancien directeur général de la police, qui est Normil Rameau, qui est de retour. Parce que tout simplement, pas oublier, Normil Rameau, c'était un ancien directeur de la DCPJ. Pas oublier, non, Normil Rameau, c'est un ancien responsable de DCPJ. Normil Rameau, qui matrice tout nèg dans le pays d'Haïti. Il y a de tout nèg, toute femme, tout volé, tout assassin, tout criminel. Martin, alors, je suis capable de dire, pardon, Normil Rameau, il y a un dossier, tout voyou, tout volé, tout gang, tout méchant, qui fait payer sa malio. Il y a un dossier assassinat, mettre mon frère d'Oval, dossier assassinat, président Jovenel Moïse, je crois que, avec arrivé, Normil Rameau, dossier assassinat, Éric Jean-Baptiste, André Duclair, de CPJ, il y a une bonne version dans elle. Et il y a un bon gens enquêteurs de CPJ qui dit qui choisit dans mes yo. Moi, je crois que avec Normil Rameau, si que Normil Rameau t'a envie de faire des choses pour la famille, pour papa, après plein comment, je vais venir avec dossier assassinat ou bien la mort papa Normil Rameau, comment elle est mort. Normil Rameau, il y a dossier Phantom Section 9 là. C'est sous même Phantom Section 9 ça a monté. C'est criminel assassin qui a besoin de déstabiliser la police en amont, qui a monté groupe terroriste. C'est dernier qui était dans l'état-major police là, qui était monté le contour. Je te m'abdou tourner. Ou un gros lavage pour qu'on fait dans le commandement police là pour des gars qui ont des volets, voyous sans coup de chasse, sans guinée, n'est pas sérieux au niveau de la police là. Parce que pas oublier, la police là, il commence à pourrir depuis notre tête
C'est ça que cause ti agent yo vinn impliqué, nous c'est des actes malhonnêtes, yo pour le tête yo ba iso pour devenir véritable soldat pour iso 5 secondes si la pli bougoy kilik, vite l'homme innocent la mort sans jour, toute l'autre gang cap kidnapper moun yo. Ça veut dire que jodi hein, ou gon lot de responsabilité et ou une légitimité populaire. OK. Sou décide faire ou une légitimité populaire. Bon côté population haïtienne nan. Et n'a pas des peuples haïtiens qui suivent plateforme YouTube mais faut mettre chaque jour qui croient en nous, n'a pas de supporter ou. Depuis qu'on est capable de poser action concrète pour qu'on pose des questions afin qu'on soit des voyous criminels vagabonds qui te monté groupe terroriste qui te relève fantôme section 9 qui dégage puis qui boule en pile bien l'état qui tue en pile monde de bien qui boule bien privé monde OK qui tue un policier sérieux donc ça de pour capable poser des questions et arrêter yo non mais il ramou pas bon menti ou pas mis plus gros chef police que pays a te connait si gen l'autre qui te gros chef déjà mais ou même gon fixation sur même j'aime gon fixation sous docteur Gary Conny comme nouveau premier ministre pays d'Haïti. Nous même responsabilité par nous dans plateforme YouTube Fubeto, sous plateforme Green Nan Bouda qui est autonome qui fait salve les gens vle lol pipito. On comprend ça mais Julien. Il mouri mol vle, l'enterre dans sac qui fait le plaisir. Plateforme qui just pas dans campé dans dol. Qui va jamais gimet politique, qui va jamais pas trop politique, qui va jamais zami politique. Sous plateforme qui est indépendant. Là nous dit n'a campé derrière on monde n'a fait fixe sous sous, nous pas pas bataille contre tout. Parce que nous éclairons pile, nous smart dans ça n'a faire, nous comprenons la réalité, nous pas faire opposition politique ravet qui n'a que fait longtemps. Nous pas attaquer des dirigeants. Si moi qu'on vient là n'importe qui gens. Non. N'a quitto là, n'a du fort travail parce que nous besoin résultat. OK? Nous besoin solution avec ça gars là. Nous tous nous besoin la paix. Tout haïtien besoin la paix. Tout haïtien go grain bagaille qui a chercher. Stabilité, sécurité. OK, tranquillité pour tout le monde capable évacuer avec occupation librement dans la coupe pays d'Haïti. Mais pas que ça. Est-ce que Nomil Rameau, ou pas symboliser la paix? Nous voulons ça. Mais pour jouer de la paix, il faut faire la guerre. Nomil Rameau, mettons en condition 2. Mettons en condition 2 parce qu'il faut que nous fassions la guerre. Mais pour nous faire la guerre, avec qui est-ce que nous voulons faire la guerre? Il faut que nous fassions avec tête, la guerre avec tête pensante. Et puis quelque part, nous avons cette tiselle qui c'est Tibandi à Sapat. Parce que Tibandi à Sapat, il n'est pas représenté un pipe tabac. Devant Sako, ça a payé des problèmes. Si gang a sa pata ke ouè a, qui a fait nous souffrir, nous ouèl physiquement, nous ouèl publiquement, il pas représenté yon pipe tabac nan nèg avec femme qui met Haïti nan état sa. Moi, comme souvli. Bandi a sa pata konnen que la ville pas tellement longue, non? Elle gon adresse, elle gon bloc côté rete, ou gon 100 graines, et comment elle est, grenade à fragmentation, ou lancer dans le village du ou exploser sa l'opri sa, paraît iso encore. Ou cherchons un drone kamikaze. Ou là sont 15 missiles en dans village de Dieu, paraît mal propre ça encore. Ça veut dire qui ça? Ils ont très facile pour résoudre le problème Isoa. L'homme sans jour, dit qu'il côté chital bois éclairer la bambine dans la plaine. Ou là gondou dans les apouli. Filon missile, dépatché le même gens, capitaine Ibrahim Traoré a fait à Burkina Faso. Même gens, Assimi Goïta a fait et au Mali. Même gens, et m capable dire nous, général Tchani a fait au Niger. Combattre les terroristes en Haïti. Nous pas gbadi nous des terroristes qui kidnapper moun qui terroriser moun qui tuer moun de bien qui détruire pays qui fait que Haïti vienne l'aide devant le monde entier de fait nous devons laver image pays hein. Mais pour nous faire faut que nous pas peur non faut que nous assumer responsabilité faut que nous pas mettre tout non faut que nous gagne canson dans taille nous faut que ces garçons canson pour faire exactement ça n'a dit là bataille en pas camper on dit nous responsabilité pas non nous-mêmes bon côté nous prend déjà. Nous, franchement, nous mourir déjà ne pas peur senti. Parce que naturellement, toujours dit, pas de mourir. Nous avons des précautions au maximum que nous prenons pour voir ou pas vider notre terre. Parce que nous devons exister. Et nous résister pour que nous existions. C'est extrêmement important pour que nous connaissions. Bataille en pape campé. Nomil Rameau, nouveau directeur général de la police d'Haïti. Nous sommes installés. Demain, si Dieu veut, cap 20 juin 2024. Là. À quelle heure nous pouvons gagner l'heure? Mais nous avons parlé là, définitivement, monsieur, c'est nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. Est-ce que nous avons une belle solution? Souhaitons-le. OK? Et si nous sommes capables d'aider le résultat, nous avons aidé. Nous avons dit, directeur, nous sommes capables de nous n'importe le. Nous sommes capables de nous, si nous contribuons, nous sommes capables de nous. Pour nous, nous avons une bonne information pour nous collecter comme si, comme si la police. Nous-mêmes, nous avons une consultation gratis, nous avons une gratis, chérie, parce que c'est Haïti qui a besoin de sauver. Nous voulons tout Haïti, je dis, on ne peut pas faire politique avec ça. Haïti trouve son pente,
C'est tout petit pays qui peut mettre tête ensemble pour nous faire bagay, en nous contribuer. En contribuer à 100% pour nous garder comment nous avons aidé Haïti, sortir dans ce que nous trouvons là. Après, nous avons résolu tout problème. Yo. Mais pour le moment, Haïti est trop sale, Haïti est trop laide. Mon cap dit que Haïti est trop sale, est trop senti, est trop sanguin. Mon cap fait politique Haïti est trop sale. Et image paysan, image Port-au-Prince surtout, li reflète image nèg avec femme qui a fait politique là-dedans. De fait, pour nous comprendre ce qui est propre, ou Haïti qui est propre, faut qu'on dégage, éradique, démantèle, déchouque, total capital, classe politique traditionnelle, ça, qui n'a pas eu d'Haïti, et les oligarques corrompus, qui ont volé, qui ont botté l'argent, passé par là, pendant le pays, dans la souffrance, pendant le pays, senti, si vous n'avez pas à l'école, vous n'avez pas à manger. Ou équipe chien volé, sur le côté où vous sortez au Syrie, Palestine, Liban, a volé comme nos pays, et vous n'avez pas à manger nos pays. Il n'y a pas de possibilité du tout pour vous fonctionner. Et mal propre à beauté comme pour petit vivre bien États-Unis, la France, Canada, bonne salope sale, bonne bourgeois senti, bonne chien sale côté nouillé, bourgeois cocorate, bonne si volé. C'est seul Haïti, nous devons venir pour nous voler comme ça. Yo. Parce que pays au monde, nous devons faire ça, nous devons faire là. Comme si nous venons dans nos pays, nous devons faire comme. Nous devons faire pas si par là. Nous riches, on ne peut plus. Nous devons mourir dans le pays. Soyez, ou sont salopes, ou sont petits exploités, ou sont volés, ou sont chien. Alors moi-même, comme si pour me gagner l'argent, pour me gagner l'argent, m'a fait l'argent comme si pour mon entourage, mon grand goût, yo pas qu'à manger, son bol la kamen sale senti. Qui moi-même bato, ça ou pas haïtien. Mal propre, ça ou grand pas fout haïtien. Fout chien, ça ou de yon pays ya. Bon fout tout yon président Jovenel Moïse kote nouye. Bon assassin, bon méchant. Papa haïtien, je dis c'est 19 juin 2024. Yo l'em bato. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui kote ki le wap tende nou, et wap gade nou an. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi. Pour que m'ensemble avec nous sur plateforme Panouan, sur plateforme YouTube, InfoBeto, plateforme Green Nambouda, plateforme qui pas peur. Qui pas peur rien. C'est comme ça que lié. Parce que on pays, nous ne pouvons pas souffrir comme ça. On ne peut pas souffrir dans conditions pareilles. Nous ne pouvons jamais foutre la chevali. Nous méchants trop. Et on ne doit pas parler avec nous en créole. Pour tout le monde connaît que nous pas. Comme si nous ne pas respecter voler ça. Mon président demande nous la paix. Et si nous mettons stabilité dans le pays, nous mettons électricité dans le pays. Nous pouvons tout chier. Bonne sens à côté nous. Bon bourgeois corrompu, bon si volé. Premier, pour foutre éliminer tout, c'est mal propre politique, ça pour foutre couper tête dans le pays d'Haïti. Parce que si pas de politique, c'est ça, yo, avec les gars corrompus, si pas de politique, c'est ça, avec journalistes volés, vicieux, gang dans le pays d'Haïti, il va pas capturer Jovenel Moïse. Même dans le rêve, il va pas capturer. C'est des complicités. Avec politique, c'est ça, yo, qui cause les oligarques, l'instant que les vingons ont légitimité populaire. Comme si on a dit qu'il doit avoir des vies ou des morts sur un chef d'État qui a essayé de voter. Président d'Haïti. Oh! Président premier république nègre du monde. Oui, qui vagabond sur le côté de sortie, vient tuer nos pays. Et même ça, le priorité est là toujours. Il y a plein de dirigeants pour nous. Ils sont honte, mon cher. Ils sont honte pour la République. Et ça va faire mal moi-même comme monde. Parce que nous sommes paysans comme hier. Nous sommes d'ailleurs sans province pour élever. On était passé, il faut passer côté que le Port-au-Prince là. Un petit chien, ça, il faut tuer un président dans conditions pareilles. Et puis tout le monde campé, il regarde ça, le priorité dans les yeux. Nous trouvons le normal. Haïti, pas carré comme ça. Et le bagage doit être comme ça. Il faut que nous tous nous mettions dans la patte pour que Haïti pas être comme ça. Parce que c'est pas logique. Il pas logique. Il faut que les citoyens acceptent que vous faites payer mal. Vous faites payer mal pour suspendre ça. Nous ne pouvons pas comme si, quand nos pays, nous décidons de nous pour vendre gaz là. Ce n'est pas des dollars pour nous faire 90 millions de dollars américains dans gaz là. C'est comme si nous avons décidé de pour les pauvres pays d'Haïti dans le douane pays d'Haïti pour le nom. Qui soit foutu? Comme si nous pour mettre directeur général douane nous. Douane au Cap, c'est nous pour mettre directeur. Douane Saint-Max, c'est nous pour mettre directeur. Douane Miragouane, Port-au-Prince, tout côté, c'est nous pour mettre directeur. Et puis la diaspora, il a besoin de rentrer avec une machine tout neuf, il n'y a pas qu'à rentrer. Comme si c'est seul pour l'envers dans Petionville qui a un droit pour rentrer avec une machine tout neuf. Sous qui base? Fuck food, loi dans douane, yo changé. Pour tout le monde connaît, mais qui prie que une machine telle année, telle marque capable de douaner. Faut tout le monde connaître que une machine telle année, telle marque, telle, comme si, mais qui j'ai machine, mais qui j'ai qualité, quantité milliage, quelque chose, mais comme il a dédouané. Et faut que tout le monde ait accès pour être avec machine que vous voulez dans le pays d'Haïti. Donc, comme si Mdadjou, c'est seul les gars volés à qui doit comme si Mdadjou, pour louer une machine tout neuf en Haïti. Nous prenons tout le monde pour cocoat dans le pays. Hein. Pendant que tout Haïti a une capacité pour travailler dur, peut-être faire du plaisir. Mais nous grappialiser la population. Hein. Nous faisons tout le monde sortir grappier dans le pays. Un jeune fils, il va pas pour devant, il va comme si il m'a dit monter dans une moto, comme si vous montez devant machine. Pendant que il a capacité, il est capable de travailler pour faire tête plaisir. Mais son coco a donc volé politique, on gang, on kidnappe qui pour balancer machine pour louler. Après, il finit driver dans toute la rue. C'est dérespectant. Comme si nous faisons tout jeune, nous sentons que c'est à l'étranger seulement
espoir yo, est-ce que logique? Il pas acceptable. Toute jeune petite madame dans le pays d'Haïti capable de travailler dur pour acheter une machine. Mais c'est là où il vient dans pays étranger, il voit comme si travail pour acheter une machine. Bila pété fiel yo, frustration a touyé yo. Il y a grand monde avant l'heure pendant que tu capable vivre bien dans pays yo. Et puis nous même comme moun vini, comme voler sans sale, nous cacher dans Pétionville là, n'a broté toute richesse au pays. Et puis n'a fait tout le monde dit c'est blanc, li pas foutre blanc. Problème pays d'Haïti, oligarque pays d'Haïti. C'est oligarque qui bon voler ça yo. Afin qu'ils sont mal, on m'a fait dire c'est États-Unis, c'est la France, Canada. Pas de bail comme ça. Pour moi-même. La pire, même peut-être après nous finissons le problème avec ça. Mais pour le moment, il faut que nous fassions fixation sur ces dames qui ont fait business en deux pays. Comment tu as compris nos pays? C'est seul nègre qui a pour droit pour rentrer avec bout de sac de jury, le pipito. Mais j'espère que c'est nègre qui a formé le pays d'Haïti, il n'y a pas qu'à rentrer avec un conteneur de jury. Depuis qu'il rentre, nègre a foutu prendre, il fait le pourri dans la main, il n'y a pas qu'à dédouaner. Sous qui base? Il doit foutre pour un football dans le pays d'Haïti. Comme Ravel, comme Mounvini, comme Volé. Ce n'est pas possible. Nous tous nous menaçons pour la société. Nous finissons avec un pays. Nous finissons sur nos peuples. Bye, peuple, on chance. Bye, pays, on chance, bonne saloperie. Aïssi, c'est peuple qui est plus tolérant sur la terre. Nous faisons tout le bagage qui est mal, mais il y a patience. Mais monsieur, bye, on chance, monsieur. Toutes petites nous vivent bien dans Miami, monsieur. Toutes petites nègres, les gars, qui vivent bien dans Miami, Florida. Il y a downtown Miami, dans Brickell Avenue, c'est là que petit nègre a arrêté. Nous tout à fait bien, monsieur. Bah, la population, c'est possibilité pour le fonctionner maintenant. Ah, ici, pas besoin de pile, non. Les gens besoin de vie nocturne, fonctionner, pour le bouger. Les besoin de la vie reprendre n'importe où, pour le fonctionner. Mais nous prenons tout pour nous, un et pour le peuple là, sous qui base maintenant. Et puis tout le monde campé, regarde ça, le bruit dans les yeux, comme si nous avons dit, c'est Dieu de la terre, comme si tout ça. Non, mon cher. Si nous avons des vies ou des morts haïtiens. Nous capables foutre gendoua des vues ou des mensonges tout la file manchette n'a foutre prendre Pétionville là parce que nous puis plus nous puis fort depuis file manchette nous dans bouda yo y a ban pays violence l'enjeu de la violence nous fait tout monde frustré nos pays nous fait tout monde comme cocorate nos pays c'est comme si n'a c'est pas moun nous c'est esclaves que nié parce que nous black parce que nous haïtiens on équipe cocorate sur côté sorti pour manger pour se mettre pays là les filles mettent tout seul discours. Oh oui, c'est américain, c'est Canada, c'est la France. La foot Canada après une fin de dégâts oligarques qui dans pays d'Haïti. La États-Unis après une fin de comprendre réalité à l'aide de oligarques dans Wallio. La France, la Canada, la États-Unis, l'aide fin mettre oligarques dans Wallio. Mais tout autant que c'est avec ça, il y a douane, il y a port, il y a tout le bagage dans le pays. Il n'y a pas États-Unis, mon cher. Il n'y a pas États-Unis. Pas bon, ça nous mettre là. Moi même, je vois, mais là, je comprends la réalité en façon. Bah, quand on monde quelque part qui comprenne que. C'est États-Unis, c'est dit ces dates. Mais position pas moi-même. Il pas États-Unis. Il pas fou États-Unis. Pour que ça la Dominicanie pas plein même gens pour États-Unis. États-Unis c'est les amis la Dominicanie. Pour ça que bon deal avec la Dominicanie. N'a pas mettre voler, n'a pas mettre chien sale et puis n'a dit c'est États-Unis qui mettez yo. Quand si voler fout crase au pays, n'a dit c'est États-Unis la France Canada. C'est même voler qui mettez tête yo là. Même je fais stratégie pour rentrer là que nous même nous fait stratégie pour nous mettre yo dehors. Parce que Haïti pas qu'à subir, alors subir ça que n'a qu'à faire subir encore. On va tolérer, messieurs, dames. On n'a pas qu'à souffrir encore. Franchement, on va tolérer. Parce que l'illogique pour que nous produisions des réflexions, pour nous permettre que le peuple la comprenne, nécessité qui gagne pour que nous permette que le pays en sorti là, nous pas qu'à tolérer encore. C'est grave. OK? Parce que Haïtien, c'est la grave en pile. Mais si vous êtes méchant en pile, faut que nous prenions toute disposition pour Haïti capable de soutenir ça. Mais pour le sortir, il faut que nous prenions des décisions drastiques pour nous permettre que, OK, Haïti, râle en souffle. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous ne pouvons pas tolérer ça qu'a fait là encore. Faut que nous ayons une chance pour Haïti. Encore une fois, je salue tout le monde. Content ensemble avec nous. J'aime te dire nous avons gagné Rosemont Jean qui baillon conférence de presse et qui adresse directement ensemble avec le nouveau premier ministre là qui c'est docteur Gary Conny. Rosemont Jean gagne position parle nous connaît naturellement Rosemont Jean c'est allié nous, c'est affaire par nous et nous prenons le temps de et Rosemont Jean à travers conférence de presse qu'il baille jeudi qui c'est et naturellement jeudi qui c'est 19 juin 2024 là. En entendant Rosemont Jean et par la suite n'a pas tourné pour réaction. Rosemont Jean l'appareil. Station de résistance pour une Haïti stable et démocratique. Donc on te dit dans la dernière conférence nous
nous avons gagné pour nous capables non seulement analyser la question du gouvernement de Gary Konyan, mais tout prononcer nous sur le gouvernement. Et c'est ça que nous venons faire là matin. Pour nous capables de connaître qui positionne nous et qui route nous prend dans les jours à venir par rapport à un gouvernement oisif qui est installé dans notre pays. D'abord, qui t'aime dire nous? Nous te prenons le temps. Nous prenons le temps qu'il faut. Nous prenons le temps nécessaire avant de nous prononcer. Premièrement, ça n'a pas dénoncé. N'a pas dénoncé l'inélégance de Dr. Gary Konyan. Deuxièmement, n'a pas dénoncé le comportement de M. Konyan par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Troisièmement, nous dit gouvernement ça qui vient là, c'est un gouvernement qui vient pour pénaliser, pour faire toute action que nous ne pouvons pas imaginer pour Jovenel Moïse, pas jouer justice. Pour qui ça? Parce que M. Gary Konyan montre nous à clair, il n'est pas un homme d'État. Nous n'avons pas que tu oisif politique. Des pacotis politiques, des mendiants politiques qui traitent de passer pour militants, des petits mercenaires politiques, tant qu'on est capable de dire pas aimer, pas aimer, tant qu'on est ingénieur Lugondé dans Pétionville qui prend l'argent trésor public et injecte dans même pour marcher dans une série de bases pour dire Gary Konyan, pour dire Gary Konyan, ceci, Gary Konyan, c'est là. Moi-même, je vais prendre le temps qu'il faut parce que je ne suis pas militant qui grand goût, qui cherche à manger. Nous sommes militants qui gardent les faits, qui analysent les faits et qui prononcent au moment opportun. D'abord, le premier ministre Gary Konyan montre qu'il n'est pas élégant. Comment? Ou pas qu'il dit qu'il est un homme d'État. D'abord, il fait preuve tout, il n'est pas un homme d'État. Oui, ils sont intellectuels. Oui, il est un professionnel de médecin, mais il n'y a pas de dimension d'homme d'État. Il n'y a pas de dimension père de famille. Il n'y a pas de dimension, tant que je vais prendre comme exemple, malgré des accords que Jovenel Moïse a gagné avec Jean-Bertrand Aristide, il apprend Jean-Bertrand Aristide dans la difficulté, Jean-Bertrand Aristide a besoin de passeport humanité pour l'alcaïde docteur. Automatiquement, Jovenel Moïse, comme homme d'État, il mettait une différence ou bien un désaccord avec Aristide là, de côté, il dit qu'il faut me sauver le président. Son président, soit ses présidents. Comment nous-mêmes, la presse, qui là, comme mon intelligent, comme mon savait, comme mon qui est capable d'analyser fait, ou bien on est capable d'une premier ministre. Hein? On a débarqué en Haïti. Monsieur, un président assassiné, il n'y a pas de jambes fait sortir une note de sympathie à notre ancien premier ministre. On est qui est ancien premier ministre? L'étendait dans quelles conditions il a assassiné le président dans la chambre de la Kaili, il n'a pas fait une note de sympathie à la famille, à pays. Ça, c'est une. Mais pour nous, ça n'est pas grave parce que il te dit, dans diverses rencontres qu'il fait aux États-Unis, il dit qu'il n'a pas jamais rentré. A fait l'État ici, on compatriote te poser une question en ce sens. PM, si vous avez l'eau, comme je dis au premier ministre, si vous avez l'eau en Haïti, pour ta vin baye l'État ici en coup de main encore. Peuple haïtien ta mando pour baye bien en coup de main. Il doit m'a répondre sans équivoque. Je ne pas jamais là pour l'État ici. Je ne pas jamais servir l'État ici. Je ne pas jamais travailler dans l'État ici. L'État ici n'a pas besoin de jamais côté sur moi. C'est slogan. C'est discours. Mais là, vin vini comme premier ministre. Au moins, fais une preuve. Même l'hypocrisie. Même laisser ta bordou. Même laisser ta nan moun qui te fait partie bord. Qui t'a planifié l'assassinat de Jovenel Moïse, souvine la pas élégance. Faut t'a montrer pays que son homme d'État. D'abord, nous tous t'a constaté que le ministre, il vient mettre en confiance les assassins de Jovenel Moïse. Parce que, le ministre, ni
dans l'introduction, puis on dit c'est le premier ministre pays, il fait discours, il pas parler de Jovenel Moïse comme un président assassiné. Il installé, il fait discours d'installation qui gagne ça relé quatre programmes ni dans quatre programmes premier ministre là, et ça veut dire dans cadre 600 et nous souhaitons, nous voulons que tout le monde connaît que nous-mêmes en tant que premier ministre qui vient là, nous avons fait ça capable pour renforcer la justice parce que nous souhaitons, nous voulons à ce que lumière faite sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Premier ministre, ça fait tout ça le fait net. C'est comme si le pays n'a pas de bon président, il a assassiné. Alors que la base fondamentale dans la crise qu'il a, il vient amplifier par rapport à l'assassinat de Jovenel Moïse. Avant assassinat Jovenel Moïse, nous avons passé Matisse, ça va, oui. Avant assassinat Jovenel Moïse, nous avons passé Canara, pas vrai. Avant assassinat Jovenel Moïse, pas de cafoufé. Avant assassinat Jovenel Moïse, pays a pas réduit en chaos total. C'est la provocation, c'est l'absence totale de Jovenel Moïse, vint sur programme l'État, pas de l'État. Eh bien, je dis à nous que ça comme résultat. Mais nous ne comprenons pour qui ça. Nous voulons dire nous pour qui ça, comportement. Docteur Gary Conny. Docteur Gary Conny, c'est un personnage que nous apprécions parce que nous supportons la bataille diaspora. Nous voyons comment pour une diaspora ta vin là non poste et puis pour nous-mêmes nous avons dit nous avons calonné, nous avons combattu la diaspora. Non, loin de ça. Un, ça nous voulait pays à retenir pour nous dans la question de Gary Conny. Un, Gary Conny n'a pas gagné qui attaché la pays. De Dr. Gary Conny, qui est mon appelage là, il n'est pas là comme un premier ministre haïtien, mais c'est un gouverneur. Mais ce qui est plus grave là, c'est qui est-ce qui bosse Gary Conny. Mais qui bosse Gary Conny, il est Bickerton, Clinton, Bill Clinton, Kleb là. D'ailleurs, les plus présentés Gary Conny, où est madame ça qui est Hillary Clinton, non, mais Gary Conny dans le temps de Simon, et puis il est devant lui présenter. Petit ou bien esclave lui. Monsieur Gary Conny, tu es administrateur d'un projet qui te relève, c'est RH. Projet ça, qui est-ce qui t'a téléguidé, qui t'a mené, c'était Clinton. Or, Clinton mettait avec l'équipe, il a détourné près de 11 milliards de dollars. L'agence RH. Ça, vous venez faire là, vous venez mettre Clinton, vous venez mettre le docteur Conny pour capable effacer parce que trace, parce que grand pile monde qui a demandé pour une enquête qui menait sous question 11 milliards de dollars. Ça. Mais ce n'est pas le problème, là, toujours. Le problème, là, le plan montre nous, c'est haine docteur Gary Conny exprimé à l'encontre de Jovenel Moïse malgré l'assassinat, malgré sa mort, malgré le fait exister, docteur a témoigné. Hein, il dit s'il ne part pas dans moi, mais il te connaît. Vous comprenez qui ça? Président Jovenel Moïse, sous trois feuilles papier, Jocelyn Privé, Baye, équipe Clinton, Douane, APN, EPOT, nous ensemble de côté pour te ramasser l'argent. Comme ça, tu as totalisé le montant de 5 milliards 800 millions de dollars américains. Jocelyn Privé, de Baye, Bot Clinton. Non. Jovenel Moïse monté comme président de la République, il coupé au droit. Il dit qu'il n'est pas normal, il n'est pas sérieux pour l'équipe Bob Clinton, ça, aux États-Unis, qui a accès pour ramasser dans le pays à 5 milliards 800 millions de dollars. Jovenel Coupel. Et depuis le Jovenel Coupel, Bob Clinton, qui est dans Biden, mette fait mise en place, il faut que tu assassines Jovenel Moïse et de fait, tu assassines Jovenel Moïse. Comme je dis, c'est Bob Clinton qui choisit Gary Conny pour mettre le premier ministre, et bien docteur Conny montré hand salgue comme Jovenel Moïse, et c'est pour ça, il n'a pas dit dans le discours, il n'a pas dit dans la mission, dans la loi 4, dans la mission, dans le programme gouvernement, il voulait faire tout le monde qui a bataille pour Jovenel Moïse, peu pour ne pas parler de l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous-mêmes nous disons, 3 ans qu'il a dit là, c'est 3 ans commémoration assassinat de Jovenel Moïse, et nous continuons à goûter et nous lancer, on vibre d'appel à toute organisation, tout le monde qui est habitué à participer dans la commémoration ça, pour nous rassembler, pour nous dire, docteur Gary Conny, que Jovenel Moïse n'est pas un wassif. Deuxième bagaille pour nous finir, ou ta ouais premier ministre,
si vous dites que vous cherchez une solution, vous combattez la corruption, vous venez pour combattre la corruption. Pourtant, le conseil créé qui est 7 membres, il y a 4 membres là-dedans qui sont équipés par la justice haïtienne. Hein? 4 membres qui sont équipés par la justice haïtienne, nous baillons documents, toutes preuves, malgré ça, ils cohabitent ensemble. Ça veut dire que Gariconi n'est pas venu gourmet contre la corruption. Dernier point, hein? C'est pour nous dire, demander à la police nationale. Dans le programme, dans le plan d'opération qu'elle gagne, il faut reviser le plan d'opération. Pourquoi nous disons ça? Nous ne sommes pas d'accord. Pour la police, il y a des gens, l'armée, il y a des gens qui demandent l'État, moyen, hein, pour être capable de faire, participer dans l'opération contre l'insécurité, contre les bandits. Nèg yo pito pour être cap marcher crase kay. Voilà tout pays ça moun sa ou tenan kay sa ou. C'est couri pour bandit. Bandit yo mette dehors de force. Pour tenir y a tenir l'état. Pour y a qui pour venir remettre en confiance qui pour permettre tourner la kay et puis constater kay yo pas pour bandit yo. Kay yo crase pas pour bandit yo. Kay yo crase c'est des mères de famille, des pères de famille que l'état t'a armé yon groupe gang ensemble de voyous qui prend toute zone ça en otage, yo mette moun yo dehors. Aujourd'hui, si l'État finit avec un plan, il faut que l'État calcule l'autre moyen. Parce que l'armée qui a fait filature, l'armée prend formation pour faire filature, pour faire pénétration. Vous comprenez la police qui a fait encerclement dans le plan. La police, là, pour faire encerclement, parce qu'elle ne doit pas avoir capacité pour mener sa bataille guérilla urbaine. Mais est-ce que ça t'a dit, chaque côté de la police pour débarquer, il est obligé de casser toute caille, sans nous pas contre côté. Je pourrais reloger mon sa sans pas un plan de construction maison, de projet logement social. Nous pensons, nous-mêmes matin, nous devons faire un dénoncer comportement docteur Gariconi qui vient pénaliser, qui vient renforcer l'ensemble criminel Jovenel Moïse. Parce que c'est tout le monde qui était soi-disant avec Jovenel Moïse qui a fait alliance avant Dieu et puis qu'on a fermé l'État pour Jovenel Moïse. Deuxièmement, c'est le mode opératoire que la police a mené. Hein? Oui, il faut que nous bataillons contre Bandi. Il y a des gens qui l'ont cagoumé contre Bandi. Mettez moyen, mettez cobre. 14 000 $ après le bail, même si vous n'avez pas de policiers, l'armée, 14 000 $. Mais il y a un prix, il y a un salaire raisonnable qui permet de confiance de travailler sur le plan pour établir la paix. Et deuxième point, dernier point, hein? C'est tout militant, tout le monde qui a mobilisé pour permettre commémoration 7 juillet. Réel, eh bien, en nous toutes mettez main, yon façon pour nous dire, non seulement Gariconi, conseil créé là, et l'équipe Clinton qui met ensemble, qui tue Jovenel, pour nous faire reconnaître que nous ne sommes pas très bas. Merci. Vous parlez de 4 personnes qui sont inculpés dans le conseil présidentiel là, qui n'ont pas pouvoir Gariconi. 4 personnes qui sont inculpés. Nous avons 4 personnes qui ont inculpation grave. Ce n'est pas une simple inculpation, ce n'est pas un simple délit, mais qui ont une inculpation très grave. Pendu sous tête yo, et qui devant juge d'instruction parce que nous dit l'ordre devant juge d'instruction pas vous coupable mais faut mettre à la disposition de la justice pour la justice capable tendre ou gagner fruit de champ il a poursuivi lui pour vol détournement de fonds publics et association de malfaiteurs nous gagne Gérald Gilles docteur Gérald Gilles association de malfaiteurs. Nous avons monsieur Nestlé Voltaire. Lui-même, blanchiment, drogue, c'est ça qu'il a retenu pour lui dans le cadre d'inculpation, dans le cadre de poursuite pénale qui enclenche pour nous au cabinet de destruction. Quatrièmement, et nous connaissons monsieur Radio ou du moins Edem qui voyait dans le conseil créé là, il est inculpé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ok? Ça veut dire, voilà que. Conseil a 7 personnes qui sont capables de décider. Dans 7 personnes qui sont capables de décider, il y a 4 nan yo qui sont devant la justice pour gros inculpation grave. Et puis, je dis à Gariconi a parlé nous. Non, ça veut dire que ça que là, gouvernement peuple a pas monter. Gouvernement qui là, c'est un gouvernement pas côté, un gouvernement oisif. D'ailleurs, il y a plein de monde qui pas sorti, qui pas aucune notoriété politique. Oui, il y a capable intellectuel. Oui, il y a capable de ceci. Mais en ce qui a fait à notoriété, comment nous comprendre? Trois canèques qui fait partie conseil gouvernement, c'est un paquet de nègres qui ont sanctionné
et puis qu'il y a parti politique, yo pas là yo même physiquement, mais toutes ces des partis politiques qui voient les monde qui montent au gouvernement. C'est même monsieur sanctionné oui, qui monte au gouvernement gaïkonia. OK? Avait dit je dis à nous-mêmes faut payer à connaître. Pas gagné qui a sorti dans montagne n'a pas. Son fourmi il va la coucher si maman fourmi pas au mal. OK? Son montagne qui va la coucher au fourmi. Mais c'est si montagne là pas au mal. Pas gagné concret, pas gagné sérieux de pouvoir gouvernement vin là. Il pas nous mais ça le pour le faire pour permettre lui reprend ensemble des projets. Jovenel Moïse t'a fait dans question route, question asphalte, question environnement, question de l'eau, question question environnement. Ouais. Yo pas embrasser dossier ça yo. Ça veut dire c'est de moun yo seulement vin là pour faire l'argent. Il a fait l'argent. Nous pral goumer kontou après 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Yo pral voler gagne même gens et puis yo pral remettre l'autre groupe encore pour venir continuer faire l'argent. Mon pensé aujourd'hui là, mais ces dames la presse parle qui la presse écrit média en ligne qui la les temps aujourd'hui à nous même tout pour nous faire tête nous passer des actes pour nous questionner ensemble. Effectivement, c'était Rosemont Jean de Fournote Haïti qui tapait fait intervention ça et dans conférence de presse. Alors, qui fait intervention dans conférence de presse qu'il tabaille sous dossier qui gagne pour avec nomination ou du moins installation ou bien nouveau premier ministre qui nous gagne qui c'est docteur Garigoni. Heureusement, j'en bats position parle et selon je comprends le docteur Garigoni, mais même tout, ça qui intéresse pour me dire non, c'est que me faire remarque là. Bon, j'aime moi côté que docteur Garigoni, j'aime répéter dans un discours qu'il a fait, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pour arriver là comme dirigeant, seul moyen pour vivre en paix, seul moyen pour pas avoir pièce inquiétude, sauf si les assassins de Jovenel Moïse ou t'as entendu ensemble avec eux. Seul moyen pour pas à vivre là qu'est sauté. Mais gon bagaille plutôt pour nous connaître. Est-ce que si m'boko établim, si m'boko fin gen contrôle la terre, est-ce qu'il m'oblige à parler du dossier assassinat Jovenel Moïse? Peut-être tout, il a gon dernier zèle 4. N'a pas mission petite possibilité toujours pour monsieur fin établir pour gen contrôle la terre, pour monsieur déplacer pion pour filmer pion la terre et puis après, n'a va connait vrai visage Garigoni. Comme ça tout nous doit prendre plus gros coup. Mais pas oublier. Jo fait la tomber dans de l'eau. C'est pas j'aime juste ça le pourri. Ou met bat chien, met ton met li. Gombo di nan ciel la, la gade, et la prenote. Bata la pap kampe. Voilà, c'était Rosemont Jean de Fournote Haïti, qui te baye conférence de presse sa. Et m'ap di nou que n'ap fou kout pat naturellement nan dossier ki nye pouwe avec intervention que PM nan fait sous dossier la police nationale d'Haïti qui doué en condition 2. Alors, et bah oui, ministre, là, c'est ministre défense là qui dit que il fait appel avec force armée d'Haïti pour que l'armée mette en condition 2 pour l'armée capable de déployer. Il est pas oublié hier, nous gagnons environ 450 policiers qui gradués dans plusieurs unités qui pral alors qui pral intégrer plusieurs unités dans la police nationale d'Haïti. La police ça hier ça fait gagnent en pile monde qui fait intervention là moment ça, gagnent en pile monde qui fait intervention. Mais gagnent chef police et qui c'est chef de gang et membre fondateur Phantom Section 9 groupe terroriste là et DGAI la police gang criminel assassin Kenel Kassi avec Justin Privet maintenant la police là qui relève France LB et ben t'es prend la parole il te fait déclaration en dedans d'elle et monsieur déplace en pile pion parce que monsieur pourri la police avec gang pour que nom il ramota va venir jouer en pile pé quand qu'on a en entendant ça volo ça t'a dit ça gang ça t'a dit ça zanmi vite l'homme t'a dit dans tête et dans moment il t'a gradué policier qui pourrait l'intégrer plusieurs unités en dedans la police là France LB et directeur gang dans la police nationale d'Haïti et soldat Phantom Section 9 ou bien membre fondateur président groupe terroriste qui dirait le Phantom Section 9 et qui rivait assassiner président Jovenel Moïse là en dedans de volo ça. Et vous avez le temps de voler sur l'écran. Vous avez le temps de son. Hein? Seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire national. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti,
le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et du sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident notre territoire ainsi que leurs biens. Contre les assauts criminels répétés des gangs armés, certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, pour honorer... Est-ce que tu voles ça? Je vais vous dire que vous avez dit, PM et Dr. Gary Koni parlé, parce que, attendez, monsieur, c'est cœur plein. Attendez, monsieur, c'est déception. Attendez, PM Gary Koni, parce que je vais fixer ça sur Dr. Koni. Et n'a suivi monsieur de près au commencement de Jolan c'est pour moi son haïtien qui t'a vivre dans la diaspora nous même vu que n'a fait promotion pour que la diaspora haïtienne intégrer la politique en Haïti ça veut dire que quelque part Gary Koni et peut-être nous considérer monsieur comme un véritable figure de la diaspora bien que gagne en façon que monsieur rentré qui en pile monde questionné rentrer ça mais naturellement m'a dit donc que peut-être Jean commandant Philippe dit là monsieur doit rentrer par la petite porte et monsieur sorti par et dans grande porte là. OK, ça veut dire que faut que nous peut-être bali bénéfice du doute jusqu'à maintenant parce que monsieur c'est petit en et docteur Koni, monsieur c'est un haïtien, monsieur c'est Gary Koni et me pense que monsieur fait Port-au-Prince, monsieur pense que monsieur peut-être gain 100 et haïtien dans 20 ni sans pas des salines non et que monsieur capable font bagaille définitivement pour pays ça. Monsieur que monsieur capable organiser. Docteur Koni à l'appareil. C'est un gros jour pour nous. Un jour côté la lever tête nous pour nous garder soleil. Un jour côté n'a commencé garder l'avenir en l'autre gens. Si mon commencé discours comme ça, c'est parce que là où est 455 jeunes femmes, jeunes garçons prend chemin pour yo servir pays. Surtout dans moment difficile ça. Nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prend ça comme message l'espoir que pays a pas péri. Que pays a gen moun la dan qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre moun qui se compatriote yo. Ndaye men nou bat un gros bravo pour promotion ça. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames sa yo pas pour compte yo. Chaque la dan yo, bon soeur, ou maman, ou frère, ou petite, qui pourra vivre même stress ça avec yo, qui pourra aller en bataille avec yo, qui pourra perdre du sommeil avec yo, qui pourra le retenir yo, qui par contre s'y apporter demain matin. Nous d'ailleurs nous battons gros bravo pour famille Mounsa, madame yo, petite yo, pour nous connaître que nous avec yo et que nous apprécier sacrifice yo. Policiers, policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles
pour rétablir la paix et la stabilité dans nos communautés. Mes chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de 2/3 des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnels et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours, toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre d'un policier est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action, à la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence. Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez discipliné et restez concentré. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale. Que vive la République. Et que vive Haïti.
Moi j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans unité et spécialisée la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui saute prend bonne information dans affaire combat gang pour libérer pays à de mauvais pichons Sayo qui fait population mal vivre et spécialement dans zone capitale là et quelques villes en province notamment dans zone la Tibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux gros significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué Sayo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté yoyé. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bay tête li. Déraciner insécurité dans pays a. Association malfaiteur Sayo qui pensait yo ka détruire nation papsis. Yo pas gagné aucune chance. Y a joine bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aide pays à bataille contre malfaite. Conseil présidentiel là, la tête collée avec gouvernement a metté toute unité spécialisée dans la police là, la condition matérielle, psychologique pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable circuler libre et libre dans tout pays. Ça veut dire l'État a pris bonne disposition pour ça, ni dans le budget pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décidaient d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenter tout, un signal clé dans la détermination du Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase de l'organisation bon qualité élection arriver dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans le finissement année 2025. Là. C'est deuxième élément dans le gros engagement. Conseil présidentiel transition en gagné pour le respecter après rétablir sécurité dans tout pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tous les participants, c'est garantie pour stabilité politique, économique et sociale établie net allez, et puis permettre institutions démocratiques de fonctionner pour bien-être général de toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin. Nous engageons volontairement en connaissance gros risques qui gagnent même sous la vie nous pour nous défendre le pays, lever escape figure, pour nous protéger et puis servir la population si tout l'elle sentit le danger. Bravo, bravo, félicitations pour nous. Moi je veux dire nous, moi je veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille nous, amis nous, administration l'État qui l'a. Sous direction Premier ministre Kony à Conseil présidentiel transition accompagner nous dans toute opération nous pral mener pour déraciner gang exam yo. Nous pas jambes pour compte nous. M'a répété nous pas jambes pour compte nous. Nous-mêmes policiers ensemble avec dans la MEA nous gagnons même mission avec gouvernement à Conseil transition. Fini ak brigandage et sécurité kap détruit pays a rétabli l'ordre ak la paix pour population recommencer vivre nan kè posé kè content tout partout sous la terre bénie pays d'Haïti. Administration Konin ak conseil présidentiel transition ap mette ensemble en pile ap mette accent en pile sous affaire intelligence ak renseignement pour permettre nous bien réussir opération nous pral mener yo ak objectif zéro mort nan kan pa nou. La penche tout avec recommandement la police là sous l'autre problème institution a gagné pour permettre agent yo
gen plus confiance dans tête yo, dans commandement yo. Chaque policier doit sentir fier de travail li. L'année prochaine, dans l'occasion célébration 30e anniversaire création police là, c'est pour population rendre nous hommage, j'en nous mériter, ak chanter, ak cadeau, ak fête, remerciement. Voyant agent PNH qui a gradué matin, pas jamais oublié, nous besoin appui population pour nous réussir dans toute opération nous pral mener yo. Mariage la police avec population, c'est garantir résultat sans dire peut-être. Toujours chercher confiance population, c'est ça qui a bon nous solution finale. Mesdames, messieurs, moi pas cap fini causer matin sans dire bravo, sans voyer un coup de chapeau pour toute responsable formation 455 jeunes policiers qui a recevoir certificat yo matin. C'est là un service immense rendu à la nation. Je vous en remercie au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre. Je dis à nos récipiendaires, bon travail, succès, continue. Si vous êtes gang, caché, pas caché, la police a marché sur vous. Voilà, c'était Gadi Leblanc-Fils, Gadi Leblanc-Fils qui te prend la parole et qui te naturellement... Bah, pour y être clair, sous dossier gang qui a attaqué la population. Et il y a un pile d'autres points pour nous débattre de battre ma veille, mais n'a pas quitté pour demain si Dieu veut. Il y a un pile d'autres qui choisit que n'a pas porté pour que bon Dieu béni chaque gang dans nous qui t'a attendu à l'émission. Que bon Dieu béni Haïti chez nous. Moi, je suis un pile, que me la balague. C'était un plaisir pour que nous t'assemblions. Merci un pile, que me la.